Vous avez une entreprise, vous avez donc vos préoccupations. Eh bien, les principales à 100, où trouver de sous, puis où trouver de nouveaux clients. Vous faites de la prospection, et puis on veut claque la porte en aille. Au téléphone, on vous raccroche presque aussitôt. Vous publiez des annonces qui coûtent en cher, et puis finissant dans la poubelle. Oh, il n'est pas facile de développer des affaires. Et pourtant, tout ce qu'il faut, on est une meilleure stratégie. On est le bouche à oreille, le marketing de recommandation. Un client qui est content va parler d'entre vous à son entourage. Chez personne sont intéressés, à vous appelant, à son quintant de vos services, à l'emparçant aussi à leur entourage, et puis au continu. Mais comment faire de bouche à oreille de bonne manière? Le meilleur de moyens, au lieu de participer dans une organisation qui est basée sur bouche à oreille, BNI, Business Network International. Oh, l'est le plus important dans le monde de la recommandation d'affaires. Fondé en 1985 par Yvan Missner. Le BNI compte plus de 170 000 personnes. Oh, la plus de 7 000 groupes dans plus de 60 pays. D'où milliards d'euros de chiffre d'affaires s'en fait chaque année. Comment est-ce que cela fonctionne? La devise du BNI dit que cela qui donne recèle. Si vous me donnez de l'ouvrage, ils vous en donnent aussi. Au lieu des gens qui s'entraident, nos entrepreneurs qui s'apprennent sous d'autres entrepreneurs. Les membres du BNI s'échangeant de recommandations chaque semaine, ou la carte présentant par profession, même où les évite la gêne entre eux, et puis où permettent de se concentrer sur la réussite. Ou les comme une équipe de commerciaux qui travaillent pour entre vous 24 heures sur 24. Fini chez coups de téléphone qui servant à rien, la prospection si usante. Faites de bouche à oreille votre stratégie pour vendre encore béret mieux. Faites d'OBNI la clé de votre réussite.